Pardon, j'ai eu un appel qui m'a coupé la vidéo. Regardez le monde en Guinée. Regardez le peuple guinéen. Regardez comment le peuple est heureux. Regardez la Guinée 224. Regardez comment le peuple est heureux dans ce pays. Actuellement en Guinée, regardez la joie du peuple. Vous les RPGistes là, venez voir ici. Venez voir quelque chose parce que j'ai l'impression que vous ne suivez pas les informations en Guinée. Venez voir comment le peuple est content. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Regardez le peuple guinéen. Regardez comment le peuple est heureux. Regardez. Waouh! Waouh! C'est un truc de malade. Regardez le peuple guinéen. Regardez. Hein? Regardez le peuple guinéen. Regardez. Comment les Guinéens sont heureux. Comment les Guinéens sont contents. Regardez, s'il vous plaît. Regardez un peu. Regardez le monde jusqu'au bout là-bas. Tout le peuple dort actuellement. Tout le peuple est dans les rues là actuellement. Hein? Vous les RPG, si vous êtes sur les réseaux sociaux là, poussez les gens dans la haine, dans la méchanceté, à se faire tuer. Ça se voit que vous êtes les ennemis de la Guinée. Regardez le peuple guinéen. Regardez comme. Regardez le monde en Guinée. Regardez actuellement, il y a quelques heures. Là, ce soir, actuellement en Guinée, tout le monde est dans les rues. Il y a 2 heures, regardez, il y a 2 heures, vous avez vu? Tous les Guinéens sont dans les rues. Actuellement, tout le monde est dans les rues. Allez voir d'autres lives. Tous les Guinéens sont dans les rues. Regardez comment le peuple est content. Damaro, viens voir ça ici. Amène-toi ici. Tu es en train de pousser ton équipe. Allez se faire tuer. Viens voir ici. Damaro, vous les RPGistes, hein? Venez voir ici. Vous les RPGistes, bon à rien là, venez voir ici. Regardez le peuple guinéen. Vous n'êtes pas parti de ce peuple parce que vous êtes des gens haineux. C'est vous qui a poussé Alpha Condé dans l'erreur. C'est vous qui a poussé Alpha Condé dans l'erreur. C'est votre haine qui a poussé Alpha Condé à arriver où il est actuellement. Hein? Lui-même, où il est actuellement, il se dit, oh, j'aurais pas dû écouter ces RPGistes. Vous avez vu, non? Parce que vous l'avez poussé à bout. Regardez aujourd'hui le peuple guinéen. Regardez, tout le monde est dans les rues. Tout le monde est dans les rues. Regardez. Et là, il n'y a pas que de peur là-dedans. Il n'y a pas que de malinqués. Il n'y a pas que de soussous. Il n'y a pas que de forestiers. C'est le peuple de la Guinée qui est là. C'est tous les Guinéens qui sont mobilisés ici. Regardez le monde en Guinée. Regardez. Regardez le monde en Guinée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Regardez comment le peuple est heureux. Le peuple est content. Si Alpha Condé était un bon président, les gens ne seraient pas là en train de fêter tout ça. Hein? Les gens ne seraient pas là en train de faire la fête. Hein? Mais c'est un mauvais président, c'est un dictateur. Voilà, c'est un dictateur. Je vais vous montrer, attendez.
Liberté, liberté. Regardez, elle va filmer Alpha Condé qui est dans le 4x4 là. Regardez comment écrit la jeune fille. Liberté, liberté. Elle dit, attendez, je vais voir le président là-dedans. Attendez. Regardez, il est à l'intérieur. Il est là, au milieu, vous l'avez vu? Le clochard, regardez-le avec sa main là. Il est là, vous avez vu? Alpha Condé, liberté, nous sommes libres. Voilà ce que la jeune femme dit. Attendez, je vais voir. Je vais voir si c'est vrai, il est là. Il est là. Regardez votre papa. Les RPG, venez voir ça. Voici votre papa. On l'a capturé comme un rat. Comme un rat. On l'a capturé comme un rat. Regardez votre papa. Même le peuple ne croit pas. Regardez. Regarde, regarde ton papa. Damaro, viens voir ton papa ici. Regarde ton papa. Regarde ton papa. Il se demande où tu es, qu'est-ce que tu fais aux États-Unis là-bas. Hein? Damaro, il y a Alpha Condé actuellement qui se demande qu'est-ce que tu fais aux États-Unis là-bas. Regarde. Le peuple est dans la joie là actuellement. Regarde. Regarde, même le monsieur là rigole. Même le militaire là, lui-même, il rigole. Regardez. Alpha Condé, liberté. Eh oui, la Guinée est libre. Aujourd'hui, les prisonniers sont sortis. Tiens, écoutez ça. Les institutions républicaines. Mesdames et messieurs, les anciens ministres. Messieurs les officiers généraux. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectives, tout protocole observé, distingués invités, colonel Doumbouya, merci. Dans le but d'hygiène, je voudrais rendre un hommage aux vies des nombreux Guinéens. Nous ont été arrachés ces derniers temps. Merci. Je vous demande de bien vouloir vous et observer une minute de silence en leur mémoire. Ah là 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 là. Je vous remercie. C'est beau. Enfin. Tous les morts ont été rendus hommage. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui. Mais je vais juste rappeler. Ah oui, chaque chose a un fin. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif. Était mon épouvante. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observée envers les autres. Écoutez bien. Les politiques fragilisent le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités. Il parle bien français plus qu'Alpha Condé, hein, en disant c'est un professeur, n'importe quoi. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde
ici présent, qui n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Oui. Il faut dire qu'il n'aura pas de sas. Écoute, Damaro, hein. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, le gouvernement du niveau national sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement, 7 points sur chacun. Le comité en bas rassuré, les partenaires économiques et financiers et la poursuite normale des activités dans nos pays. Il est demandé aux compagnies minières de poursuivre leurs activités. À cet effet, les frontières maritimes restent ouvertes pour les activités d'exportation des produits miniers. Le couvre-feu dans les zones minières est levé pour assurer la continuité de la production. Le comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans nos pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Guinéenne et Guinéenne. Voilà. Voilà, c'est le peuple qui est content aujourd'hui. Le peuple, regardez les motards. Tout le monde est dans les rues. Il faut appeler Damaro, hein. Il faut envoyer tous ces vidéos-là à Damaro pour qu'il puisse voir ça. Il est en train d'appeler à la haine, hein, sur les réseaux sociaux. Ça n'existe plus, RPG. Voilà. Ah oui, il ne parle pas beaucoup, hein. Regardez, il y a tellement de monde. Regardez. Regardez comment le peuple est content. Tout ça, il faut montrer, hein, pour que les Guinéens puissent voir ça. Avant qu'on les pousse dans la haine, dans la méchanceté. Mais, hein, je vais vous dire, il n'y a plus rien à faire. Voilà. En fait, ça ne sert à rien de pousser les gens dans la haine. Ça ne sert à rien de pousser les gens dans la méchanceté. Ça ne sert à rien de pousser les gens à aller se faire tuer pour rien. C'est fini. C'est la fin du régime d'Alpha Condé. C'est terminé pour les RPGistes. Vous avez parlé fatigué sans action. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Non, c'est terminé. À partir de maman, c'est terminé pour Alpha Condé. C'est terminé pour vous, les enfants. C'est terminé pour votre papa. Vous voulez quoi? Damaro, regarde tous ces vidéos et va te calmer, va te reposer. Tu ne peux rien faire. Si tu veux changer la Guinée, tu n'as qu'à venir toi-même. Tu fais un coup d'État. Tu n'as qu'à quitter aux États-Unis, tu viens faire coup d'État. Damaro, je vais parler en plein. Damaro, et où États-Unis, yaha la Guinée, antigre wada coup d'État. Si Auri hara vraiment nous mettuma, ko colonel Doumbou ya wadi doko. Si Auri hara berne mande wala ki nous mettuma, et où États-Unis, yaha la Guinée. Wada coup d'état wona ko colonel Doumbou ya wadi doko. Si Auri hara ka gorko timmodo gorko tigi tigi hara na joda go ka otoma. Wada video ji mi anda jelo par jour. Ronkingo yimbe abonné be ben ka page ma. Hein? Ndari commentaire jiko wonda hebude kon ka page ma ka video jima.
Les gens ne te soutiennent pas dans ça. Les gens ne sont pas d'accord. Même s'ils sont d'accord, ils ne peuvent rien faire. Plus rien. On ne peut plus rien faire pour Alpha Condé. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Alpha Condé. Tu ne peux plus rien faire pour lui. C'est terminé pour son régime. C'est terminé pour lui. C'est terminé pour tous vos ministres. C'est terminé pour toi. Va travailler. Va chercher du boulot. Va travailler. C'est terminé. Tu ne seras plus payé. Arrêtez ça. Arrêtez cette méchanceté de pousser les gens dans la haine. Allez se faire tuer. Arrêtez ça. Ati wadugo impi jidom ukugo yimbe ere jifi yobe yobe ware. Kombo hande wawi dartago kolone dumbuya. Kombo wawi dartago hande kolone dumbuya. Goto wawata dartago kolone dumbuya. Yidon jodi. Pusugo yimbe yobe yaltube wada gere. Ongo kosai Alpha Condé lamino. Hande Alpha Condé lamaki. Hande Alpha Condé wawana hore munkaw jodi do. Kono wawanta hore mun. Mon frère Damaro, arrête de te fatiguer, va te reposer. Tu es en train de détruire ta santé pour rien. C'est dommage pour toi. Tu devrais aller chercher du travail ou si tu as déjà du boulot, continue ton travail. Mais tu es en train de te fatiguer. Je te comprends, ça fait mal. Ça fait mal, mais nous aussi, on a senti cette douleur pendant que tu nous insultais, pendant que tu insultais nos parents, pendant que tu traitais nos parents de moutons. Pendant que... Vous, les RPG, si vous nous traitez de moutons, ça nous faisait mal. Mais aujourd'hui, on a guéri. Aujourd'hui, Dieu nous a soignés. Dieu s'est vengé pour nous. Même votre papa a dit, c'est Dieu qui donne le pouvoir, c'est Dieu qui reprend le pouvoir. Donc, pourquoi vous êtes là avec la haine à pousser votre équipe dans la méchanceté? Réconcilions-nous. Colonel Doumbouya a dit, il veut que les Guinéens soient réconciliés. Et vous, vous êtes là, vous voulez vous lever. Eh, Damaro, est-ce que tu vas financer les personnes qui vont se lever contre l'armée guinéenne? Tu vas les financer? Tu as quel argent pour les financer? Avec leurs fusils maison là, qui vont prendre ça pour venir bombarder qui? Même les ampoules là, ils ne pourront pas bombarder. Même les ampoules. Avant de rentrer même à Conakry, ils seront butés dans les rues. Tu veux qu'ils se fassent tuer? Tu les aimes? Je ne pense pas que tu les aimes. Mon pouce de yimbe makobe yobe arbe uko e gere. Mon pouce de bibe makobe yobe arbe uko e gere. Mais ben ko hondo wawani hande kolone dumbo yako. Hondo bembe wawani militaire guinéen. Fusko be wawani militaire guinéen ala. Fus. Si on a ukugo yimbe ben erreurji. Be woli ha be ronki be woli ha be ronki hande son dare be ala nyamude be ala walade be ala yarde se ke be woli ha be feti moggo be wulli kadi ha be feti kabe woni do hande ko tour mabbe ko Allah wlan don vengeani population guinéen ko Allah wlan don vengeani maybe ben fop ko Allah wlan don vengeani soka be ben fop mudon on yi IFDG be hetti biroji mabbe din est ce que yare on yi no don don IFDG hetti biroji mabbe di. Colonel Doumbouya jonneti be biroji mabbe di. Mimi sikki la gise loudal hetta laamu makongo. Ça je vous dis, mi sikki mare mande to, mi sikki de o hetta laamu makongo. Mi sikki so hetta alike di sikko Colonel Doumbouya laami min harami do werti personnellement, harami do werti be di dono be fotana la hande kam mi woni do. Be di dono. Menda on yi o hetti ka biroji makko den ka ça c'est quelque chose de bien avoko do non ka de RPG juste be monoto buriko be monino ko hande Alpha Condé ka woni do wawa na go dum hore makko ko kambe RPG juste be wawani mo godi be jodi occident do be jodi leydi porto do be innu de wi fop ye yalto kala yalto do wara do ko hebi ko kanko labbi c'est lui qui sort là contre l'armée guinéenne si tu te fais tuer T'auras cherché ta mort, tout simplement. Si vous voulez, il faut sortir. Si vous voulez pas, il faut rester chez vous.
Mais si vous sortez là, si vous perdez la vie là-bas, c'est parce que vous aurez cherché tout simplement. Ceux qui vous poussent dans l'erreur, ceux qui vous poussent à aller vous faire tuer, ils n'ont qu'à venir passer devant. Ils n'ont qu'à venir passer devant. Eux, ils sont aux États-Unis là-bas, ils sont posés, ils sont bien là-bas, tranquilles. Hein? Ils mangent bien, ils dorment bien là-bas. Mais on est en train de vous pousser, vous, il faut se révolter. Vous allez vous révolter comme même si eux, ils quittent aux États-Unis là-bas pour vous pousser dans ça. Dans une guerre civile ou dans une autre guerre contre l'armée guinéenne. Est-ce qu'ils vont vous financer? Ils n'arrivent même pas à gagner de prix d'une baguette. Ils vont vous financer dans quoi? Ils vont vous financer dans quoi? Ils n'arrivent même pas à réaliser leur projet. Ils vont vous financer dans quoi? C'est Alpha Condé qui les finançait déjà avant. C'est Alpha Condé qui les finançait. Il y a quoi Alpha Condé ou non? Il y a des gens, non? Alpha Condé n'a pas, mais il y a toujours quand même des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Comme il y a des gens de colonne de Dumbuya. Armée française, on faut pour les gens. Hande be fopu ibe ba ma kon yi porto be ben anturi mo ka ibe protege mo si wadi e bom be iude lady wondi binde lagine don direct dara be bombarda kala darti do colonne Dumbuya. C'est lui qui se lève de sa maison là. Il y a les autres là, la Guinée est sur surveillance actuellement. Si vous bougez, vous êtes là, on va en même pas une heure. On saura déjà qu'on a créé là-bas pour vous bombarder tous. Donc, ce n'est pas ça que le colonel Dumbuya veut. Il veut la paix, il veut reconcilier le Guinée. Moi, je suis tellement heureuse. Je suis tellement contente. Regardez, même IFDG déjà récupéré leur bureau. Non, vraiment, moi, je suis contente. Je suis contente. IFDG Beheti a un bureau qui m'a aidé. Soka Bebembe Yaltinama. Les prisonniers politiques sont d'or. IFDG a récupéré leur bureau. Hey, les RPGistes, là, actuellement, il y a 2-3 jours, là, ils n'attendaient pas à ça. Hein? Ils sont surpris. Hein? Fimodon Mai, c'est fini. On va rire, mon connard, on a eu Alpha Condé erreur. Oh non, donc, on a eu un erreur, on a eu un erreur, on a eu un erreur. Ça, je vous dis. Allah oulan on jouni tete kala ko wakta. Gouverner autrement là. Vous avez voulu gouverner autrement. Aujourd'hui, vous payez le prix fort. Hande ko kambe ou ni yobude, le gouverner autrement. Les tortues que vous êtes. Les tortues. Vous avez voulu gouverner autrement. Aujourd'hui, vous payez le prix fort. Aujourd'hui, tout se retourne contre vous. Vous avez voulu gouverner la Guinée dans la manipulation, dans les mensonges, dans la méchanceté. Aujourd'hui, votre méchanceté se retourne contre vous. Dieu ne dort pas. La roue tourne. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est ça. Aujourd'hui, les tortues, ils ont pris le bâton dans le cul. C'est fini. Ils ont sorti la tête aujourd'hui. Vous avez vu, non? Ils étaient là, très confiants. Ils étaient là. Vous, les moutons, vous êtes là à diviser les Guinéens. C'est à cause de vous si les Guinéens sont divisés. Personne ne devrait vous écouter. Personne. Moi, en tout cas, personnellement, même si ce n'est que 10 personnes qui me suivent, ce que j'ai à dire à ces personnes-là, ce n'est de ne pas vous suivre, tout simplement. Que chacun pense à la paix. Et on oublie le passé. On se pardonne et on avance. Avec le pardon, on peut faire beaucoup de choses derrière. Mais tant que vous êtes dans la haine, même si quelqu'un vient dans 10 ans, vous serez déjà mort peut-être. Vous serez vieux même, parce que c'est vos enfants peut-être qui vont venir. Mais ces enfants-là, peut-être, ils vont grandir avec les enfants des autres enfants des Guinéens. Donc, peut-être ils vont apprendre à se connaître et puis ils vont plus faire comme les parents, tout simplement.
Donc, arrêtons cette méchanceté, réconcilions-nous. Donc, moi, je pense, pour vous, les RPJistes qui sont au chômage actuellement, allez chercher du travail. Allez chercher du travail. Arrêtez d'aboyer sur les réseaux sociaux. Vous avez parlé fatigué. Vous ne mangez plus, vous ne dormez plus, vous êtes là à raconter tout et n'importe quoi. Personne ne vous écoute. Personne ne vous suit. Personne n'est d'accord avec vous. Ceux qui sont d'accord avec vous, c'est juste pour vous faire plaisir, pour vous soulager un petit peu, pour soulager votre colère. Mais ils ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez vu là, les gens avec leur publicité, là, ça me saoule. C'est ça, je vous ai toujours dit, ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Je vous ai toujours dit ça sur ma page. Ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Ennemi, je m'en. Et toi qui m'a dit, que bourdon m'a andu, donc, a dit, wa wa ta ma jogago. Alpha Condé, si kano de odo wa da no molundo. Mais odo ka diko wa diran dundo ko fi protège go guinéen fop. Fi jonno go guinéen je mo kala droit mouro. Mais même me devait-il vraiment personnellement me devait-il maintenant quand des cadis hey fous comme il y a autant d'épigrons si l'on fait là non intervenir de rien intervenir mais moi je suis très très contente franchement en ce moment je mange bien je dors bien je me sens bien hey. Je me dis même bientôt je vais aller en Guinée même hein. Parce que je suis libre J'ai en train de même réfléchir, qu'est-ce que je peux faire en Guinée? Quel projet je peux faire en Guinée? J'ai en train de réfléchir à ça. Tellement je me sens bien où je suis. Regardez, je suis tout sous ma terrasse. Hein. Vous avez vu là? Je suis là. Je suis sur ma terrasse. Voilà, je suis dehors là. Je suis chez moi. Je me sens bien. Je me sens bien, je suis là. Je bois un coup, je réfléchis quel projet je peux faire en Guinée. Et je continue à prier, à remercier le bon Dieu, à remercier Colonel Doumbouya. Vraiment, ça, en 24 heures, tous les problèmes sont réglés déjà. Grâce à l'homme fort de la Guinée. Ah, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? À part dire aux RPJistes, RIP, toutes mes condoléances à vous. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai plus rien à dire dans mes lives. À part dire les RPJistes, RIP. Toutes mes condoléances à vous. C'est tout. C'est tout. Il y a beaucoup d'écoles en fait en Guinée, mais il faut rénover tout ça quoi en fait. Mais moi, je suis plus dans le ONG, aider les enfants orphelins, par exemple, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas grand-chose. Donc, voilà, les aider plutôt et puis les aider à aller à l'école, en fait. Tu vois, aider les mamans qui se sentent seules, que, voilà, les, celles qui subissent des violences, qui sont abandonnées et tout. Le reste, là, franchement... Mais je sais qu'il y a de la justice aujourd'hui, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de changements aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements aujourd'hui. Nos violences faites aux femmes. Trop de femmes sont victimes de violences, et la société leur impose du silence. Comment ça fait faire là-dedans? Sans que je rentre. Amoula bombo,
Pour les orphelins, ouais. Avec le temps, ouais. Et que je compte, j'attends que nous ayons grandi un peu. J'attends que nous ayons grandi un peu. Moi, je comprends pas sur ce, mais un petit peu en fait, un peu. Donc c'est comme moi. Victime de robage. Oui, Inch'Allah. Quand moi sera grand, un petit peu, ou voilà, j'aurai plus besoin de moi pour Robin. J'aurai toujours besoin de moi, bien sûr. Mais au moins, voilà, quand ils seront grands, ils seront autonomes, tout ça, on se dit, bon, on aura plus de temps de partir en Afrique, faire des choses comme ça. Mais... voilà, venir. Moi, je ne vais pas tarder à aller me coucher. Vous savez, moi, voilà, moi, me fatigue beaucoup. Personne n'est comme moi, Véronique, tu veux dire? Non, il y a des gens quand même qui sont comme moi. Et même plus que moi aussi. Hein. Merci Aminata, merci beaucoup. C'est toi qui avais appelé. Non, c'est pas toi qui avais appelé pour intervenir. Je t'en dis. Je suis pas prêt. On est bien là-dedans. Il fait beau. Il fait bon, mais il a fait beau aujourd'hui. En ce moment, il fait beau. Du beau temps en ce moment. Mais il y a des bestioles d'or là le soir. Merci, Mariana. Mais là, tu vois, il est quelle heure? Il est 23h. Ça commence à se rapprocher vers nous. Mais pour moi, de ce temps, moi, je trouve quand même qu'on a de la chance d'avoir un beau temps comme ça. Je suis contente. De voir ma Guinée comme ça, c'est que du bonheur. Coucou, taï taï. Ok, il n'y a pas de souci. Hein? Bon, ben merci, hein, c'est gentil, Véronique. Mais bon, je pense quand même qu'il y a de bonnes personnes sur cette terre. Attends, il y en a, oui, peut-être. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi ou pas, parce que moi, je...
Donc, tu ne peux pas savoir, en fait. En tant qu'une personne, tu ne peux pas vraiment savoir, mais bon, je fais de mon mieux pour aider les gens, en fait. Je fais de mon mieux pour aider les gens. Par rapport à mes moyens, par rapport à ce que je peux faire, je fais de mon mieux pour aider les gens. Moi, tout ce que je veux, c'est la paix. J'aime la paix. Voilà. J'aime de passer de bons moments. J'aime rigoler. J'aime la musique. J'aime profiter. J'aime les bonnes personnes. J'aime la bonne nourriture. Voilà, les bonnes boissons. Moi, j'aime ça, en fait. J'aime la paix. J'aime la paix. Je n'aime pas voir les femmes souffrir. Je n'aime pas voir les enfants souffrir. J'aime pas voir les hommes souffrir. Et vraiment, moi, j'aime la paix. J'aime la paix, tout simplement. Oui. Et c'est tout ce que je cherche dans ma vie, c'est la paix. C'est la paix. Tu vois où je suis là, je me sens bien. Où je suis chez moi là, je me sens bien sur ma terrasse. Si vous écoutez là, pas de bruit, vous allez entendre comment on se sent au calme. Il n'y a que la paix du cœur ici. Il n'y a même pas de voiture ou de moto qui te dérange. Et pourtant, dans la ville où je suis, il y a presque 10 000 habitants. Je suis entourée de voisins. Je suis entourée de voisins. Il y a des Africains, il y a des Français. Je suis entourée de voisins ici. Si vous voyez même le quartier où je suis là, on est serré dans ce quartier. Il y a trop du monde. Mais c'est calme, écoutez. Là, vous allez entendre l'ordinateur peut-être. Mais même les voisins, on n'entend pas. C'est calme. Et le soir, je me sens bien ici. Je me sens bien ici. Ici, là, je suis chez moi. Je me sens bien ici le soir. Personne ne me dérange. J'ai la paix du cœur ici. Personne ne me dérange. Voilà. Vous avez vu, il n'y a personne. C'est calme. On entend les avions seulement. Juste les avions qui passent là-bas. Vous avez vu, ça flash, non? Vous avez vu? Ça flash là-bas. Voilà. Vous avez vu? On entend les avions qui passent seulement. Le reste, là. On est bien ici. Je suis bien ici. Même les moustiques ne me dérangent pas, pour vous dire. Il n'y a même pas de moustiques qui me dérangent. Voilà, je me sens bien ici. Donc, c'est ça que j'aimerais avoir pour tous les Guinéens. C'est ça que je souhaite pour tous les Guinéens. Je me sens bien ici. Je suis bien chez moi. Voilà. Même mon linge, là, je n'ai pas ramassé aujourd'hui parce que je vais le faire. Bon, je le fais demain, mais il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Donc, je me sens bien. Je suis bien chez moi. Je suis bien chez moi. Et puis maintenant, Noah va à l'école. Il faut que je fasse une vidéo sur ça. Noah va à l'école. Il a commencé sa vraie journée de l'école aujourd'hui. Où je l'ai déposé ce matin. Parce que vous savez, dans l'école, pour le moment, c'est comme une crèche. Il joue un peu entre copains, il joue aux voitures, il joue à la cuisine, il joue au puzzle, ils font des dessins, ils font plein de trucs dans la classe. Donc, on est arrivé, je me suis mis avec lui. Aujourd'hui, il ne voulait pas jouer aux voitures, donc on s'est mis à la cuisine, on a joué. Et puis, il y avait deux filles, deux petites filles qui étaient là. Et puis, Noah, il s'est mis assis, il m'a fait du pain grillé. Je me suis régalée ce matin. Du pain grillé. Il m'a fait du café. Il m'a fait du jus d'orange. Demain, je vais filmer ça. Oui, il me fait à manger à l'école. Il a percé du jus d'orange. Donc, je me suis régalée. Voilà, j'ai resté presque 30 minutes avec lui. À déjeuner à l'école. Il rigolait, il était content tout.
à me faire à manger. Il était très content. Et puis après, j'ai dit, bah, écoute, il faut que je te laisse. Maman, elle doit rentrer à la maison, faire le ménage. Après, je viendrai te chercher cet après-midi. Il m'a dit, d'accord. Donc, il m'a fait un gros câlin, un gros bisou. Deux fois, il m'a fait bisou là, il a recommencé bisou là, il m'a fait de gros câlins. Il m'a dit à ce soir, maman. J'ai dit à ce soir. Et je suis partie. Je suis revenue ce soir, mais il était fatigué. Il transpirait. Il était fatigué tout simplement. Donc, je lui ai demandé, alors, comment ça se passait? Il m'a dit, ça va. J'ai dit, c'était bien. Il m'a dit, oui, c'était bien. J'ai dit, alors la maîtresse, il m'a dit, la maîtresse, elle est gentille. J'ai dit, t'as bien mangé? Oui, j'ai bien mangé. T'as fait dodo? Il m'a dit, oui. Il y a eu des petits accidents, tout, parce que des fois, bon, voilà, ils font pipi sur eux, tout, mais il m'a dit, non, non. Et je vis le sac, tout était propre, nickel. J'ai dit, ben voilà, super. C'est contente. Donc, franchement, c'est sa première journée et tout se passe bien. Donc, demain, je vais l'amener à l'école le matin et puis son papa viendra le chercher l'après-midi. Du coup, ben, ça me fait du bien. Ce matin, je suis rentrée. Je devais aller chez le médecin. Je devais retourner à l'école, amener des trucs, mais sans que Noah me voie. Je suis rentrée. D'abord, j'ai fait tout mon ménage. Et franchement, j'étais contente. Là, j'ai encore le linge, mais il faut que j'amène au. Voilà. Au pressing, ils vont me laver, comment on appelle les draps, tout ce qui est draps et les vêtements, certains vêtements que j'aime pas laver chez moi en fait, tout ce qui est blanc en fait. Donc je préfère amener là-bas qu'on me lave ça là-bas. Comme ça, je suis tranquille. Donc du coup, demain je vais faire ça et puis après je vais être tranquille toute la journée. Toute la journée, je me sens bien. Donc, je suis libre entre Noah et Alpha Condé. Je suis libre. Tout est arrivé en même temps, en fait. C'est la paix du cœur. Hein. Tout est arrivé en même temps. Là, cette semaine, mon mari, il est au travail. Il part au travail. Donc, ça veut dire que je ne le vois même pas presque toute la journée. Mes enfants sont tous à l'école. Je suis toute seule. Toute la journée chez moi, je suis toute seule. Et franchement, je me sens bien. J'aime mes enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Mais je me sens bien. Comme là, tout le monde dort. Mon mari dort. Mon fils, ma fille, mon petit garçon. Tout le monde dort. Je suis toute seule. Je suis toute seule, dort là. Je me sens bien. Pas de bruit. Je suis entourée de voisins, donc je me sens bien. Je me sens bien. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis sortie des prisons, dans les mains de Noah, dans les mains d'Alpha Condé. Noah et Kikalare. Allez voir mon TikTok là. Noah, vous savez, Noah, je pense que je vais le mettre au ballon. Il aime jouer au ballon parce qu'aujourd'hui, il a beaucoup joué, mais il me fait plein de bêtises. Il me fait plein de bêtises, mais bon, bref, c'est les garçons. Regardez encore, il m'a écrit là-bas, je vais vous montrer. Regardez où il m'a écrit là, je ne sais pas comment enlever ça. Franchement, ça. Vous avez vu ce qu'il m'a fait hein, sous le mur hein? Vous avez vu? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Je suis pas contente. Mais bon, je vais voir. Soit je refais, soit je mets du produit. Donc, tant qu'il n'est pas un peu. Voilà. Avant ces 6 ans, je sens que je vais souffrir des bêtises, mais bon. Grave. Grave, Soudi Ariette. Je te jure, grave. Et j'ai mon pays d'origine qui respire. Véronique, je suis la plus heureuse des mamans actuellement. Je suis heureuse. Je me sens bien. Et puis Elsa, toutes ces copines
qu'elle a eu au maternel, première année maternelle, parce qu'elles ont toujours resté amies, toujours resté ensemble. Et l'année dernière, on les a séparées. Donc, Elsa, elle a eu du mal à supporter, on va dire, bon, toutes ses copines aussi, mais cette année, on les a tous mis dans la même classe. Donc, elle est contente aussi. Et puis, la maîtresse, elle est super sympa et très gentille. Donc, tout se passe bien, en fait, que ce soit pour le grand. Le grand, il est en terminale cette année, hein, c'est son dernière année de lycée. Lui aussi, il est content. Et puis, ben, voilà, il a ses projets. Puis, il est content. Je sens du bruit. Je vais vérifier. Parce que là-bas, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis dehors. Voilà, il y a ma voiture là-bas. Je vais voir s'il y a un bandit là. Il va me trouver ici. Vu, je marche pieds nus là, sous les cailloux. Je suis là. Hein? Si c'est Alpha Condé qui vient me trouver ici, je suis là. Je t'attends. Je t'attends. Tu vas me voir. Hein? On ne sait jamais. Hein? Non, ça va. Peut-être c'est Alpha Condé, il y a quelqu'un. Je suis sûre qu'il y a Alpha Condé. Attendez, je vais voir. Il y a Alpha Condé ici. Au secours, il y a Alpha Condé ici. Si vous cherchez Alpha Condé, il est ici, je l'ai entendu. J'ai entendu Alpha Condé. Attendez, je vais allumer là-bas. On va le voir. Il y a Alpha Condé ici. Il a fui colonel Doumbouya. Il y a Alpha Condé ici. Colonel. On va le choper. Colonel Doumbouya. Il y a Alpha Condé ici. Il est caché derrière la voiture. Colonel Doumbouya. Il est là, Alpha Condé. Il est où? J'ai entendu du bruit. Il est là. Il est où? Il est où? Il est où le papa? Le papa des RPGs là. T'es où là? Je vais te choper, tu vas voir. Je vais t'attraper, tu vas voir. Je vais le choper. Il a fui Alpha Condé. T'es où? Tu vas voir. Je vais te choper. J'ai pas peur de toi, moi. J'ai pas peur de toi, dictateur que tu es. J'ai pas peur de toi. Je vais te choper, tu vas voir. Tu vas regretter. Hein? Je vais le choper. Non, 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 il va pas venir chez moi. Il va pas venir se cacher ici. Je vais lui dénoncer s'il vient ici. Alpha Condé, tu vas pas venir ici. Je vais rentrer parce que j'ai froid. Attendez, je vais fermer les volets parce qu'Alpha Condé veut venir se cacher ici. Il viendra pas ici. Je vais pas te protéger. Moi, je protège les femmes, donc je vais pas te protéger. Non. Je vais rentrer parce qu'il fait frais là. Ah, Véronique, il est mignon, hein? Il est mignon, colonel. Hein? Ah, mais sa femme, elle va te trouver ici. Sa femme, elle va te trouver ici. Ah, c'est le hérisson que j'entends. Regardez.
Il y a le copain de Alpha Condé ici. Regardez, il est là, son copain. Hé, hey, il y a son copain ici. Vous avez vu l'hérisson? Eh bien, je t'ai vu, hein, coquin. Tu es venu chercher à manger. Vous avez vu, c'est l'hérisson. C'est le copain d'Alpha Condé. Tiens, l'herpégiste. Venez voir. Il y a le copain de votre papa ici. Vous avez vu, il est parti là-bas. Oh, il s'est caché. Voilà. C'est lui que j'entendais faire du bruit. Ah, il est là, Alpha Condé. Vous avez vu, on l'a trouvé ici, Alpha Condé. Il se transformait en hérisson. C'est lui qui se transformait en hérisson, là, non? C'est Alpha Condé qui se transformait en hérisson. Il vient chercher à manger. Je vais le servir. Je vais le servir. Hein? Comme ça, il va retourner là-bas. Je vais donner à manger. Est venu chercher à manger. Ça, tu verras ça avec le colonel Doumbouya, hein? Parce que il y a des hommes qui aiment les vieilles femmes, non? Et puis 50 ans, c'est pas vieille, hein? Faut pas se sentir vieille comme ça. Je vais lui donner à manger et à boire. Par contre, je ne peux pas tout porter en même temps. Mais je vais donner l'hérisson à manger et à boire. Parce que je sais qu'il va venir là pour manger, pour boire. En fait, ça les amène. Quand tu as des chats, mais tu as des animaux comme ça qui viennent, justement, tu sais qu'elle vient pour ça. Elle vient pour manger croquettes du chat, en fait. Ça, c'est des. Voilà, c'est des. C'est des trucs qui sont rares, je vais dire. Voilà, c'est en voie de disparition. Les hérissons, donc, il ne faut pas le tuer, en fait. Il faut prendre soin. Il faut donner à manger. Il faut. Voilà. Oui, c'est ça. C'est comme Alpha Condé. Vous avez vu? Ça, c'est Alpha Condé qui est là. Il se transformait en hérisson, il est venu dans mon jardin. Je ne vais pas le protéger. Je vais le ramener là-bas. Je vais donner à manger, mais je vais le retourner en Guinée. Là-bas. Ah, nous, on est contents quand même. Hein. Par contre, Francie. Ah, je commence à être jalouse, hein, Francie. Hein. Je te vis sur la page de ma copine là-bas, Kadiatou. Hein? Tu commentais ses boucles d'oreilles. Je te vis, Francie. Hein? Ah, Francie, attention. Hein? Je te vis. Hein? Hein? Si je te vois sur les pages de Guinée, là, je vais être jalouse. Je te dis, hein? Tu es fidèle à ma page ici. Non, Kadi, tu peux. Chez Kadi, tu peux. Il n'y a pas de souci. Mais pas chez les autres. Et puis moi, je ne partage pas tout le monde sur ma page. Mais ce que je partage sur ma page, si vous pouvez aller soutenir, ça ne me dérange pas. Vous pouvez aller commenter là-bas, ça ne me dérange pas. Ce que je parle, les vidéos que je partage sur ma page seulement. Ce que je partage sur ma page seulement. Les gens que je partage sur ma page seulement, vous pouvez cliquer dessus, aller. Si vous voulez vous abonner, allez commenter là-bas. Merci Véronique. Y a quelqu'un qui a appelé. Alors, j'ai envie de manger quand même parce que j'ai pas mangé encore. Hein. Ah, tu sors de.
Attends. Je sors de l'hôpital, ma fille. Ah ouais, tu sors de l'hôpital là, tu étais malade. Tu as quoi, Véronique? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave, j'espère. Bon, attendez, je vais rentrer mon truc. Attendez. Attendez, je vais rentrer. Que je me mets au passage de demain. J'éteins tout. Ça, je suis tranquille. Demain, j'ai beaucoup de linge à repasser là. Oh, il n'y a rien que je déteste dans ce monde là, si ce n'est pas du repassage. Il n'y a rien que je déteste dans ce monde, si ce n'est pas ça. Je vous jure, je n'aime pas le repassage. C'est une chose que je déteste. Ah. Je déteste le repassage, je vous jure. Ah oui, je vois. Mais du courage, Véronique. Hein? Du courage. Mais c'est ça, en fait, les hérissons, ils viennent pour manger, en fait. J'aime pas aussi ranger la vaisselle, mais c'est mes, comment on appelle, mon grand. Comme il ne fait pas grand-chose dans la maison, mais comme il est concentré aussi sur ses études, après ses études, c'est les copains et les copines. Donc la machine vaisselle, c'est lui qui range. Donc c'est la seule chose souvent que je lui demande de faire dans la maison.
ranger la machine vaisselle et de sortir les poubelles, tout simplement, et de ranger sa chambre. C'est tout ce que je demande à mon fils. Parce qu'à 17 ans, c'est très, très compliqué à gérer. Très, très difficile à gérer. Je vais aller ranger mes rideaux. Attendez. Vous avez vu, là, je suis allongée, là. Je vois mes rideaux comme ça, ils ne sont pas droits. Donc ça m'énerve. Quand je vois là, comme ça, ils ne sont pas droits, je ne me sens pas bien. C'est un peu comme une maniaque, mais je ne suis pas maniaque. Mais j'aime bien quand les choses sont... Voilà, comme ça, tout est droit. Là, je me sens bien. Là, c'est bien mis. Ouais. Vous avez vu, là, c'est droit. Non, moi, c'est Thomas qui fait. Souvent, c'est Thomas que je demande de faire des rangées vaisselle. Comment on appelle? De sortir aussi la poubelle. Mais souvent, c'est mon mari qui sort la poubelle, je dirais. Et Thomas, je lui demande de ranger vaisselle. De temps en temps, de sortir la poubelle, mais rare pour la poubelle. Et d'arroser aussi le jardin. Voilà, les plantes, tout ça. Mais il ne fait pas souvent. Bon. Souvent, c'est la machine. La machine, ça, il fait souvent. Mais le reste, c'est pas souvent. C'est pas souvent. Donc, moi, j'aime bien, en fait, faire les choses par moi-même. Je sais pas pourquoi. Même mon mari, quand il passe le balai dans la maison, je repasse derrière. J'aime bien que les choses soient nickel. Donc, j'aime bien. Donc, des fois, moi-même, je fais les choses pour éviter de dire que, ouais, il a mal fait ou il a pas bien fait. Oui, il a fait là-bas, il a laissé là-bas, comme ça je fais, je suis tranquille. Ça, c'est bien de faire la vaisselle le soir. Ça, c'est bien. Donc là, ce que j'ai envie, c'est de me mettre à la cuisine à domicile, en fait. J'ai envie de me lancer dans la cuisine à domicile. Mais j'hésite, comme mon mari me dit, ouais, mais t'imagines. Il y a des gens qui sont compliqués, s'ils ont mal au ventre, par exemple, sur certains, ça peut arriver, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger de telle nourriture, ou ils vont manger, ils vont avoir une réaction ou des allergies ou autre chose. Hein. Ils vont t'accuser que tu es empoisonné, tout ça. Et du coup, mon mari, il hésite un peu, il me met en garde sur ça. Après, je me dis, bon, quand même, il y en a qui le font, qui ne tentent rien à rien, je les demande, pourquoi pas. Donc, j'ai en train de réfléchir sur la cuisine à domicile. J'ai en train de voir ça. Moi, je vais vous laisser parce que là, vous avez vu, je me suis allongée. Quand je m'allonge comme ça, c'est que c'est bon. Je vais m'endormir. Donc, je vais aller dans mon lit. J'ai mon lit qui m'attend et puis je me sens bien dans mon lit. Il est confortable tellement. Je me sens bien. Un bon foufou. C'est bon ça, le foufou. Je vais vous laisser, je vais aller au lit. Véronique, bon courage à toi. Bonne guérison. Prends soin de toi. Ah, c'est bien. C'est comme mes enfants, ils vont souvent manger chez mes beaux-parents tout le temps. Même hier, Thomas, avant-hier, il a dormi là-bas, il a mangé. Il est rentré le matin, il est retourné à midi manger là-bas.
Ah ben dis donc. Ah ben oui, même moi j'ai eu chaud. Franchement, tout le monde a eu chaud aujourd'hui. Il a fait très très chaud. Je crois que c'était la journée la plus chaude d'aujourd'hui, non? Il a fait très très chaud. Surtout nous ici, là, je ne sais même pas là. Actuellement, il fait combien? Actuellement, il fait 25 chez moi. Il fait 25 chez moi actuellement. Là, dans la maison, il fait 25. Il fait chaud. Il fait chaud, je vous jure. C'est bien de profiter avec les enfants, avec les petits-enfants. J'avais vu une mamie un jour, elle m'avait dit, on se trouvait au centre social à Madeleine d'Orléans. Elle a permis en fait, parce que j'avais amené Elsa là-bas. J'ai vu, elle était avec ses deux petits-enfants. Donc on était assis dans la salle d'attente, on discutait et tout. Elle m'a dit, vous savez, madame, on aime nos enfants, mais on aime encore plus nos petits-enfants. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, ça m'a resté. Hein. Pour le moment, je ne suis pas grand-mère, mais je me dis, quand je serai grand-mère, peut-être je verrai un petit peu la différence. Mais elle m'a dit, on aime nos enfants, mais on aime encore plus nos petits-enfants que nos enfants. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit oui. Après, j'ai compris une chose, c'est que avec tes enfants, tu n'en profites pas parce que tu travailles, tu as le ménage, tu as beaucoup de choses à faire. Tu cours à gauche, à droite, les courses, le faire à manger, tout ça, tu ne profites pas de tes enfants. Parce qu'il faut les nourrir. Il faut être là pour eux. Quand ils sont malades, tout ça, tu cours à gauche, à droite. Donc, tu ne profites pas. Alors qu'avec tes petits-enfants, tu as plus de temps parce que tu es en retraite. T'es plus disponible en fait. Tu as déjà fini de construire ta vie, tu es déjà posé et tu as plus de disponibilité pour tes petits-enfants que pour tes enfants. Donc, ça veut dire que tu passes plus de temps avec eux que quand tu étais avec tes enfants. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Et puis, les enfants sont contents d'être avec mamie. Avec papy, moi je vois mes petits, comment on appelle, mes beaux-parents, comment ils sont heureux d'être avec mes enfants. Ils sont contents d'être avec mes enfants, c'est un truc de fou. Ma belle-mère, je me demande, c'est quelle énergie elle a pour être toujours disponible pour mes enfants. Elle est tout le temps disponible. Demain, je l'appelle. Je dis vraiment, j'ai besoin de vous. Mais elle sera disponible. Elle sera disponible. Même si elle est invitée, elle va annuler pour être là pour les enfants. Elle aime ses petits-enfants, elle aime passer du temps avec eux. Elle aime ça. Même ce matin-là, avant d'aller à l'école, j'ai passé chez elle avec Elsa et Noah, et avec leur papy, là, ils étaient tous contents de voir les petits-enfants avant d'aller à l'école. Donc, franchement. Mais tant mieux, franchement. Ah oui, c'est pour ça Elsa, elle va demain à la piscine. Ah, je te jure, moi, pour mes beaux-parents, ils sont tout le temps disponibles. Moi, ma belle-mère, même des fois quand je demande, bon, pas quand je demande forcément, elle me dit, ouais, mais tu as trop de linge parce que moi, mon mari, son travail, quand même, c'est dur. Des fois, il travaille de nuit, des fois la journée, des fois le matin, des fois le soir. Bref, c'est compliqué. Ça change tout le temps son équipe, là. C'est très, très compliqué. Donc, du coup, je peux pas mettre la machine comment on appelle, lave-linge, là, tout le temps en route parce que mon mari dort. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, ma belle-mère, souvent, elle prend tout ce qui est drap, tout ce qui est serviette, elle me lave. Tout ce que je chemise pour mon mari, c'est elle qui me lave tout ça.
Donc, elle repasse tout ça et l'amène. Et c'est vrai, ça m'aide beaucoup en fait. Des fois même, elle me propose et me dit, tu veux que je vienne t'aider à faire le ménage là, te nettoyer les vitres ou les poussières. Je dis, non, 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 faites le ménage chez vous là-bas. Laissez-moi avec mon bordel. Laissez-moi avec mes enfants parce qu'avec nous, là. Ma belle-mère, c'est bien faire le ménage ici. Hein? Elle va expliquer. Hein? Elle est maniaque. Ma belle-mère est maniaque. Elle aime bien quand chaque chose est à sa place. Après, elle n'est pas trop maniaque parce que quand les enfants viennent, c'est elle. Voilà, il met un peu de bazar, mais voilà. Mais une fois que les enfants sont partis, elle range direct. Quand tu fais tomber un truc par terre, prends direct la balayette, tu ramasses et nettoie. Donc, Par contre, il y a la lumière là qui me fait mal aux yeux. J'aime pas la lumière dans les yeux. Et si j'éteins là, vous n'allez pas me voir. Noir dans le noir, ça se voit pas. Ah, c'est bien ça. C'est un gentil garçon, Kenzo. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. On a tous besoin d'amour en fait. On a tous besoin de aimer et d'être aimé. Moi, je pense qu'il n'y a pas plus beau dans ce monde que l'amour. L'amour, c'est très important. Aimer et d'être aimé, c'est le plus important. Franchement, avoir la paix du cœur, être chez soi, franchement, c'est très important. L'amour de nos enfants, l'amour de nos parents. Franchement, c'est très important. C'est très important. Voilà. L'amour, la paix. Mais vous savez, partout il y a l'amour, il y a la paix. Partout il y a la paix, il y a l'amour. Tout simplement. C'est le deux là qui peut marcher ensemble. L'amour et la paix. La paix et l'amour, tout simplement. Partout où il y a la paix, il y a l'amour. Partout où il y a l'amour, il y a la paix, tout simplement. Ah oui. Parce que même si tu es fâché, tu vas laisser à cause de l'amour que tu as pour la personne. Et quand tu as la paix du cœur, tu ne peux pas avoir de la haine en toi, en fait. Tu ne peux pas avoir de la haine. Mais il faut savoir aimer. Il faut être reconnaissant aussi. Il faut être reconnaissant parce que tu peux aimer une personne sans que la personne t'aime. Tu peux aimer une personne, faire tout pour cette personne, mais sans que cette personne t'aime. Sans que cette personne t'aime. Tout simplement. Donc, il faut être reconnaissant. Ça veut dire... Il faut savoir analyser les personnes qui t'aiment et les personnes qui ne t'aiment pas. Deux fois, tu penses que tous les gens qui rigolent devant toi, qui s'amusent avec toi, qui te sourient, tu penses que ce sont comment on appelle? C'est des gens qui t'aiment, mais ce n'est pas des gens qui t'aiment. Moi, je vous ai toujours dit, ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Ça, je vous dis. Je vais m'asseoir parce que je vais dormir. Moi, c'est ça mon problème. Dès que je m'allonge, je m'endors. Dès que je m'allonge, je m'endors. Des fois, je vais dans le lit de noir, je dis, je vais lire une histoire. Dès que je finis la page là,
C'est moi qui dors en premier. Quand j'arrive ici, je me dis, oh, je vais m'allonger un petit peu, je me repose là. Je m'endors direct. Moi, c'est ça. Dès que je m'allonge, je m'endors. Moi, c'est comme ça. On a tous besoin d'être aimé. On a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé en fait. On a besoin de ça pour aller de l'avant, pour avancer. Sans ça, on ne pourra jamais réussir. C'est ça. En tout cas, quand tu as la paix du cœur, c'est tout ce qui compte. Hein? Quand tu as la paix du cœur, ne cherche pas à amener des ennemis dans ton foyer. Protège-toi. Moi, vous savez, je suis en contact avec des gens qui sont sur les réseaux sociaux ou en dehors des réseaux sociaux par rapport à mon business. Mais ce n'est pas tout le monde qui vient chez moi ici. Ici, dans ma maison, ma famille, eux, ils viennent ici. Mais ce n'est pas tout le monde. Ici, là, les gens qui ne sont pas partis de ma famille, je peux compter peut-être 2 personnes ou 3 personnes maximum qui peuvent venir chez moi. Même si les gens là viennent chez moi, c'est pour une journée. Ce n'est pas pour autre chose. C'est juste pour me rendre visite. Ce n'est pas pour rester. Ici, là, ce n'est pas n'importe qui vient chez moi. Moi-même, quand je coupe mon live, là, par exemple, si je coupe mon live, je mets mon réveil, je vais aller me coucher. Il n'y a personne d'autre. Je vais dire, je ne suis pas là. C'est pour cela que vous me voyez souvent en live. Parce que dès que j'ai un moment de calme, je ne suis pas au téléphone en train de parler, critiquer, parler de tout et n'importe quoi derrière. Si ce n'est pas pour mon business, moi, personne ne m'appelle. Après, j'ai mes vrais amis. Il y a des gens que je fais mes combats avec eux. Ça, c'est autre chose. Quand il s'agit de faire les combats, je suis avec eux. Les gens qui sont dans mon association, on a notre groupe sur WhatsApp. Quand on a besoin de communiquer, on s'envoie des messages là-bas, c'est bon. Mais après le reste, franchement, à part les fidèles qui sont, par exemple, des personnes que je connais sur ma page ici de début jusqu'à aujourd'hui, et je vois que ces personnes-là sont fidèles. Franchement, comme là, par exemple, je vois Sodi Ariatou, je sais qu'elle est fidèle. Et je vois Véronique, je vois d'autres personnes, et je sais que ces personnes-là, ce sont des bonnes personnes qui sont fidèles à ma page. Et je communique avec ces personnes-là sans problème. Mais après, moi, tout ce que je dis en privé, je suis capable de le répéter en public. J'ai rien à cacher. Mais dans ma maison, c'est pas n'importe qui vient ici. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Je choisis les personnes qui rentrent dans mon foyer ici, tout simplement. Et Ma chérie, mais elle n'est pas connectée là. C'est pour ça que je n'ai pas dit son nom. Mais elle n'est pas connectée ici. Moi, c'est comme ça. Moi, j'aime tout le monde. Hein. Mais je n'ai pas confiance en tout le monde. Parce que je sais que ton pire ennemi n'est jamais loin de toi. Mais moi, mes vrais amis, vous ne les verrez pas sur les réseaux sociaux là. Mes vrais amis sont derrière là. Parce que j'ai des connaissances aussi, de bonnes personnes. De bonnes copines, de bonnes connaissances. Des gens que je respecte beaucoup. Mais les gens qui me connaissent réellement, les vrais amis qui me connaissent réellement, vous ne les verrez jamais sortir contre moi sur les réseaux sociaux, à me dénigrer ou aller sur la page de quelqu'un qui est en train de me dénigrer. Je n'ai jamais vu. Mais c'est des personnes qui sont fidèles à notre amitié. Vous avez vu l'été là, j'ai eu beaucoup de monde chez moi. Beaucoup de monde chez moi. Il y a des gens qui sont fidèles à moi, tout simplement. Mais bon, je vais vous laisser parce que je suis en train de m'endormir, je suis fatiguée. On en parlera demain. Demain, je serai en live. Je vais aller voir un peu.
Je suis fatiguée, j'étais un peu. Pardon. Excusez-moi, je suis fatiguée, j'étais un peu. Je vais aller voir un petit peu les dernières nouvelles de la Guinée. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup de ce qui se passe en Guinée. Là, je regarde beaucoup les informations. D'ailleurs, ça me fait mal aux yeux. Mais je regarde beaucoup ce qui se passe en Guinée actuellement parce que ça m'intéresse beaucoup. Et je suis vraiment très contente. Mais demain, voilà, je viendrai faire un live. Et puis, hier, je me suis couchée. Il était 4 heures du matin, je crois. Non, 3 heures, pardon. 3 heures du matin, je me suis couchée pour me réveiller à 7 heures. Le réveil était dur. C'est pour ça que je suis fatiguée là. Le réveil était dur. Donc, je ne me suis toujours pas couchée encore. En plus, demain, je dois prendre la route. Je dois amener mon fils au lycée. Je dois faire 1 heure de voiture aller-retour. Oui, je sais, je dois porter les lunettes. Ouais. Ouais, je vais les porter demain, ouais. Demain, il faut que je porte ça, ouais. De même ce soir. Mais c'est que ça me gêne des fois ici, donc du coup, ben, ça me pousse un peu, ça m'énerve un peu. Donc voilà. Bonne nuit, mes amours. Je vous aime. Bonne nuit, tout le monde. Gros bisous.